sur Haiti News 800K, nous avons informé 7 jours sur 7, 24 sur 24, de tout ce qui a passé dans 4 coins pays. Politique, Kilti, toujours été informé pour qu'il y ait plus de détails. Mesdames et messieurs la famille, go bonjour, go bonsoir pour nous toutes. Tout dépendamment de qui côté et à qui le web garde une vidéo ça. C'est avec un immense plaisir que nous contentons de la caillou. Vous venez voter par vous quelques parmi grands points qui passent de dominer l'actualité dans le pays d'Haïti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si nous pouvons faire partie de la communauté noire, nous invitons sur la vidéo ça même, abonnez. Et au fin, abonnez. Cliquez sur la cloche de notification, une façon pour ne pas rater les pièces vidéo qui nous partagent. Et nous profitons des moments à tout pour nous saluer chaque abonné fidèle qui a écouté nous à Haïti ou à l'étranger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sous vidéo ça, nous t'a souhaité de passer avec au moins 1000 likes, une façon pour nous permettre à Chanel ça lui-même d'avancer plus et agrandir la communauté noire. De jour en jour. La minute qu'il a parlé à la même, selon toute dernière information qui est arrivée jeune nous, qui a semblé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le général Boulos lui-même, il a gros coup. Et la minute qu'il a parlé à, parce que lui-même, il est vraiment compliqué dans le temps bourgeois. Mais en dernière vidéo, on va jouer une chance pour connaître plus de détails. Pour ne charger pas comme information en pile. Réalité chez vous, montez volume. On a écouté audio ça ensemble pour plus de détails. Qui gagne un collège d'après ça, l'idée d'après ça nous est aux États-Unis, particulièrement en Floride, et qui a évité Laurent Salvador Lamotte, que tout le monde connaît, mes amis, Laurent Salvador Lamotte, qui a évité à titre d'honneur, Laurent Salvador Lamotte. Et tout le monde connaît Laurent Salvador Lamotte, qui est impliqué jusqu'aux os. Non, et vraiment Petro-Caribéa, qui c'est une monde qui cause mal un peuple haïtien dans sa nouvelle là. Une nèg qui pas mettre près de pied ni Canada, ni la France, ni Canada, ni États-Unis, même la Saint-Domingue, parce que yo dit monsieur ça lui dans finance gang, monsieur ça dans tout vraiment ça qui sale au détriment du peuple haïtien. Laurent Salvador Lamotte, qui est ancien député, a déposé plainte pour lui parce qu'il a commandé 200 galil de manière illégale dans le premier ministre en Haïti. Même Laurent Salvador Lamotte, d'après Jean-Hector Anacassis, ancien sénateur, il a chaque sénateur 40 euros américains pour voter. Et nous-mêmes particulièrement, qui avons déposé plainte au niveau du cabinet de soupçon pour corruption, forfaiture et d'autres infractions. Eh bien, nous voyons que Johnson Napoléon, monsieur Sarah s'est choisi d'éviter Laurent Salvador Lamotte à titre d'honneur. Et nous toujours comprenons que, il a toujours dit, les gens qui semblaient rassembler ensemble, et pour faire ça, ou bien pour faire. Et puis, c'était graduation, troisième promotion, et vraiment l'école infirmière que monsieur Dilgayen, qui fait un Azur Collège, et troisième promotion, et qui t'a gradué. Et. Je nous gardais dans le discours que monsieur et Napoléon, à l'époque, nous disons que nous avons inculpé Napoléon, il était présenté un chèque de 400 000 dollars américains, côté que il était dit fait don avec le gouvernement haïtien, qui était représenté par Laurent Salvador à l'époque, et c'est don de 400 000 dollars américains. Nous connaissons très, très, très bien. Le valet des dons, qu'est-ce que ça veut dire? Et le valet des dons, il dit qu'il y a 10 étudiants qui doivent venir étudier dans le collège Sahara, qui c'est à ce collège, vraiment, à comme ça. Et il est allé plus loin encore, où il dit qu'on croit encore qu'il y a 25 000 dollars américains qui sont cadeaux, il y a fait, pour te faire une bibliothèque, bibliothèque. Que tu fais une salle d'informatique, c'est-à-dire comme ça. Une salle d'informatique, voilà. Eh bien, l'on a regardé notre trésor public, dans l'époque, nous pas joindre 400 000 dollars ça, entrer dans le trésor public. C'était nos questions. Est-ce que, comment on peut faire don 400 000 dollars américains
et Koblal par rentrer dans la prison publique. Là, nous commençons à suspecter. Là, on a regardé également, chercher qu'on est dans la faculté, dans le rectorat. Mes amis, pas des étudiants qui voyagent, et non, j'ai des étudiants qui vont étudier dans le collège. Cherchez qu'on est, est-ce que 400 000 dollars sont à jouer un rectorat, rien, tel qu'on parle d'un côté. Eh bien, nous venons comprendre que Johnson Napoléon, avec Laurent Salvador Lamotte, ils ont été associés ensemble pour le former ça nous une sorte d'association de malfaiteurs pour enrichir au détriment du peuple haïtien. Comment enrichir au détriment du peuple haïtien? Peut-être vous n'êtes pas sans savoir. Aux États-Unis, vous avez les income tax. Income tax, c'est l'argent retourné à la fin de l'année fiscale en fonction des dépenses, des sorties, etc. Et pas oublier les faits, on fait tout. Donc, un gros grand partie de l'argent, gouvernement américain, bah, parce que c'est don et leur paye taxe, ils comprennent, nous faisons don de 400 000 dollars américains, grand pile bagaille, ils ont bah, un quoi, etc., qui retournent venir nous. Eh bien, monsieur, nous devons comprendre que l'utiliser pays, nous, pays Jean-Jacques Dessalines, Johnson Napoléon, à la mort, mettez ensemble pour utiliser nos Haïti, pour faire pour vraiment au détriment du peuple haïtien. Sous mal ça, nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes comme haïtiens, comme contribuables, qui vivent dans le pays, qui ne peuvent pas accepter Pierre Delecran, d'un coup Napoléon, Pierre Delecran, d'un coup Laurent Salvador Lamotte, à continuer, passer nous-mêmes comme peuple dans la bêtise, à continuer, enrichir tête au détriment du peuple haïtien. Nous choisissons pour des plaintes aujourd'hui. Au niveau du cabinet d'instruction, et pour Johnson Napoléon, pour Laurent Salvador Lamotte, et qu'on sort. Lundi, et qu'on sort, car il y a un monde qui est dans l'association, parce que nous avons gagné une dame tout. OK? Et nous avons gagné une dame dans le demi-siècle. Et si lui-même la donne, elle a reçu des succès de yo, et puis la connaît. Parce que, aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord pour Johnson Napoléon penser. Pensez que en Haïti sont jeunes. Nous sommes d'accord. Où est-ce qui commet tout crime ça dans le pays que tout le monde connaît. Des crimes financiers dans le pays pour continuer, pour penser que ça suffit. Ça va suffire pour continuer. Et pas dire rien. Et puis 400 000 dollars, on peut faire tout cet Haïti. Et comme tout le monde fait, comme si il y a passé le monde dans le bêtise, il faut que nous fait. Je dis à nous voter plainte contre Johnson, la mort, et qu'on soit pour. Le chemin des avoirs, détournement de fonds, corruption et association de malfaiteurs, qui c'est quatre infractions criminelles. Quatre infractions criminelles, qui c'est blanchiment des avoirs, parce que pour nous connaître, est-ce que nous ne sommes pas dans blanchiment des avoirs en Haïti, aux États-Unis d'Amérique, et détournement de fonds, lorsque vous dites que, au quoi vous débattez, vous pouvez faire louer ou détruire l'argent, association de malfaiteurs comme deux mesures. Vous mettez ensemble que nous vous découvrir pour vous mettre ensemble pour enrichir quelque chose sous le peuple haïtien et sous le peuple américain tout. Et vous faites vraiment corruption. Et nous-mêmes, immédiatement, nous ne pouvons pas faire lâche, nous ne pouvons pas faire pas, nous ne pouvons pas prendre pression. Nous ne pouvons pas pression dans les criminels qui vagabonds qui ont enrichi quelque chose au détriment du peuple. Immédiatement, le dossier a déposé là au niveau cabinet de soutien. Nous gagnons dans les jours qui viennent. Nous avons un certificat de greffe qui dit que, maintenant, mais qui juge destruction de CIA? Immédiatement, nous, qui juge destruction de CIA, nous allons écrire l'ambassade américaine pour lui saisir un PI pour nous connaître comment on est pour faire vivre aux États-Unis d'Amérique pour entrer dans vraiment des bagailles qui louchent dans l'État. Pour nous connaître, est-ce que c'est les États-Unis d'Amérique qui te mettait Johnson Napoléon là pour lui enrichir tes prix au détriment du peuple haïtien. Pour nous connaître à ce collège ça, est-ce que son collège criminel lié, qui est des associés, des criminels en donne, qui a fait quoi sous nom gouvernement haïtien, sous nom gouvernement américain. Si vous êtes là nous-mêmes. Je vraiment de ça, M. Caleb. Donc, démarche ça, est-ce que vous pensez que la pabouti, lorsque nous connaissons, Johnson Napoléon, monsieur Pape vive en Haïti, probablement monsieur son citoyen américain.
qui c'est un nèg qui a investi ici aux États-Unis. Laurent Lamotte, bon baron côté mouché et gounia lui-même, bon il en Afrique, baron côté lié. Est-ce qu'on pensez démarche ça l'a abouti et est-ce qu'on gagne assez éléments en main qui capable courir plein toit en cas de réplique? Et nous gagne bagaille en main nous et démarche là a abouti nous dit ça jodi à qui 5 septembre 2023. Laurent Salvador Lamotte et Johnson Napoléon qui pour venir sur les réseaux sociaux. Qui pour parler dans la presse, qui pour dire devant juge en Haïti pour parler de 400 000 dollars ça. Et pour dire il était vraiment fait abus avec peuple parce que 400 000 dollars ça, il pas fait ça de la paix. 400 000 dollars ça va qui je ne peux pas haïtien. Par contre qui a fait civil mais nous même nous convaincus, nous allons aller jusqu'au bout. Nous pas connait après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2, nous pas connait mais nous clair. Nous clair et nous prêts. Pour aller tout côté à tout ça, pour lui mettre fête sous lui, pour mettre ici, pour me dire si je peux faire l'argent, sur le peuple, quel que soit le monde, quoi qu'on commette crime, attendez, qui a cité du bail l'argent? Au gouvernement haïtien? Qui a cité pour l'argent? Il était remettre le chèque là. Laurent Salvador Lamotte, jusqu'à la preuve du congrès, qu'il soit ici parce qu'il était premier ministre. Qui boit Laurent Salvador Lamotte dit qu'il était meilleur domicilié en Haïti parce que si le premier ministre a voulu être meilleur domicilié. Eh bien, Johnson Napoléon tout, qui était bien en Haïti, oui. Il était bien en Haïti. Vous pensez que nous-mêmes, c'était Johnson Bagué pour venir la ville pour une question? Il m'a dit Interpol tout. Là, on vient de joindre que où t'es mis, où t'es, 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 où à ce qu'on est aux États-Unis, si on a un lien au crime transnational, parce que là, où aux États-Unis, où tu fais donc avec Haïti, et on croit 400 000 dollars, ou après income tax, l'argent, peuple américain, ou pas faire donc un vrai coup pour être dans le poisson, ça y est, ce sont des infractions, fraude fiscale, tout cela, eh bien nous-mêmes, nous clair. N'a montré les ici Haïti a toujours dit pas de loi de loi n'a montré les gars comme ici il a pas qu'à cacher dans l'autre pays pour penser que il a qu'à enrichir tête illégalement illicitement quel que soit cotoyer a il a qu'à poursuivre et quel que soit cotoyer a la loi haïtienne va plier nous avons signé des traités accords conventions avec notre pays d'ailleurs il a qu'à mentir pour venir répondre à ce question-là. Et pas oublier, monsieur, il est bien là en Haïti. Et monsieur, son haïtien d'origine lié. Et monsieur, elle commet son infraction au nom du gouvernement haïtien en associé avec Laurent Salvador Lamotte. Non, mais, Kounye, là, si lui-même, on dit que Johnson Napoléon t'a fait don, on dit que le t'a fait, effectivement. Et il y a un élément, il y a une preuve qui est capable de justifier que le t'a fait don. Avec gouvernement haïtien, Kounia, est-ce que c'est Johnson qui doit bail explication ou bien c'est Laurent Lamotte comme ancien chef du gouvernement qui doit dire qui ça a été fait avec don ça a été recevoir, etc. Ou bien échange ça parce que ton échange de service en termes de promotion. Donc est-ce que effectivement l'été recevoir, est-ce que t'es un jeune qui t'a pris information? Est-ce que c'est Johnson qui doit expliquer ça ou bien le chef du gouvernement, bon, l'ancien chef du gouvernement de l'époque? C'était Johnson à la mort, c'était associé dans son association de malfaiteurs. Son bagage qui bien monté. Il a arrangé